parti pour le test de toutes les conneries que je viens d'écrire. Il y en a tellement que je pense que c'est mieux de tout vider. Je sais même pas par quoi commencer. Mon crud n'est pas foutu en l'air, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a un truc. Ah, j'ai pas de favicon. Merde. C'est peut-être parce qu'il faudrait que je le fasse comme ça. Non? Je vois pas la favicon non plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Par quoi je commence? Attends. Il y a un truc qui me... Je me sens dans un état d'alerte. On est d'accord que si, il faut quand même que le champ soit c'était. Ouais. Petite nuance quand même, hein. Petite nuance quand même. Histoire de calmer le jeu quand même. Et là aussi. Si le champ est pas c'était. Voilà, comme ça me paraît pas mal, ok? Là, pour éviter des malentendus. Que tu peux break. Là, faut quand même qu'il y ait un petit pas. Faut qu'il y ait un petit peu moins. Si je peux les mettre les deux à la suite, ça fera un truc plus stylé. Ok, bon. Ok, on va dire que l'écriture est finie. Je sais même pas. Alors, on va mettre. Et à quoi dans le testeur?
Testis et test nouveau. Bon, on va mettre un Stranger ID, hein. Juste un Stranger ID. On va faire simple déjà. Attends, je suis où là? J'ai l'impression qu'il m'a loupé un épisode. Ouais, il manque un truc là. Mais à chaque fois, je me fais niquer quoi. Ça m'énerve. Qu'est-ce qu'il veut là? Là? Et là? Mais c'est pas possible ce qu'il me dit. Putain, mais c'est pas vrai là. Et à chaque fois, je me fais niquer. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, c'est censé être bon. Ah, c'est quoi son problème? Oh putain. Il m'a mis en mule là directement. Non. Je sais même pas si. J'ai l'impression qu'il a juste pas exécuté le code. Quel enfoiré. Il a pas exécuté le code. Ouais, je vais le bouler, je vais le bouler. Non, c'est pas vrai. Ça commence bien. Ah oui, comment je fais pour le drop? Et comment je fais pour le rename? Ah, c'est la merde. Il faudrait que je puisse le faire, quoi. En plus, sur drop, il faut que je puisse auto-drop la contrainte. Ah, c'est chaud. Je sais pas si en une passe, en plus, il accepterait ou pas. Je réfléchis, hein. Je réfléchis, mais j'aimerais bien le coder maintenant parce que je vais en avoir besoin pour les tests et j'ai pas envie de truquer le machin à la main et de refaire les tests. Un renommage. La question c'est ce que je peux faire en deux passes.
en une passe. C'est une vraie question. Je pense que c'est mieux de le faire en bas. De toute façon, oui, pour le Dell, c'est mieux de le faire en bas parce qu'il faut péter la clé. Et s'il faut péter la clé, il faut qu'il passe en FK Dell, de toute façon. Enfin, s'il y a une clé, il faut qu'il passe en FK Dell. Donc, c'est ici, en fait. On va le mettre en extra, mais... On va le mettre en extra. Pas fan de ça, mais... Donc si... J'ai l'impression que ça va me coûter cher, je sais pas quoi. Je joue un peu avec le feu. C'est pour garder les champs à coups compatibles. Mais je pressens que je joue avec le feu, un truc de ouf. Grave, parce que si j'ai l'inverse qui se produit. Tu veux pas mettre autre chose là, ça me fait flipper. Ouais, mais je lui mets quoi? Je mets quoi? Query? Action. Alter. Je vais mettre alterne. Non, on va juste mettre comme ça, ce sera largement suffisant.
C'est là que faut que je teste les renommages. J'ai l'impression que je vais avoir une petite différence. Je peux mettre Alter et Alt Delete parce qu'en réalité, ça peut pas être un nom de champ parce que c'est un mot réservé. Ça dépend du sujet. Attendez, vous pouvez me rappeler parce que j'ai un double appel là et c'est un appel que j'attendais tout à l'heure. Je vais vous rappeler. Enfin, je vous laisse me rappeler dans un quart d'heure. Oh, les casse-couilles. Alors, rename. Je crois que c'est. Il y en a un des deux, tu peux pas, je crois. Je sais plus, mais je sais que c'était la merde. C'est un des deux, c'était la merde. C'était pour renommer une table. Rename colonne, tout, machin. Donc rename c'est standard et l'autre c'est pas standard. Bon, on va tester, mais a priori, on va tester. Bon, lui, ça marche sans problème. Mais est-ce que j'ai plus de doutes?
Ça marche pas. Rename colonne. Je sens qu'il va être détruit MySQL. Change truc. C'est un peu con parce que en fait si c'était MySQL, je pourrais faire un change directement. Mais ouais, non, on va essayer de pas foutre trop de bordel. De toute façon, c'est vrai qu'idéalement, il faudrait tester sur MySQL. Je me connais, je pense que je vais même pas le faire. Ah oui, alors le problème.
peut dire que j'ai écrit le Roname et le Trop. Normalement, j'ai écrit la totale. Par contre, est-ce que ça va marcher? À cet endroit-là, je suis un peu étonné. Je t'avoue, je suis complètement étonné. Ça, c'est parce que le mec m'a appelé tout à l'heure. Quoi? Ah merde. Non, mais j'ai pas besoin de ça. Je mets quoi? Moi, ça se ressent quoi. C'est plus joli quoi. C'est vrai que je pourrais mettre plus ou moins ça. Je sais pas si je peux faire un change. Putain, il y a plein de trucs à tester. Hein. Cela, c'est ballsy quand même ce que j'ai écrit sur un peu ballsy. C'est un peu carrément ballsy. Hein. Allons-y gaiement. Donc, alors, attends. On va alter, on va le supprimer. Fallait tester. Ah oui, mais non, je vais mettre une contrainte ou pas? Non. Qu'est-ce que quoi? Quoi la requête? Pas mis quoi que ce soit, j'ai l'impression. Pourquoi il me dump? Je sens qu'il me dump des trucs bizarres. 70. Bah oui, mais il est un peu con. C'est le principe même. Mais il est complètement con. Undefined variable clé. Ah non, attends. Je suis ailleurs là. Ouh là là. Ouh là là. Attends, 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 attends. Je pense qu'il y a une confusion de la mort à tous les niveaux là. Le seul endroit où il y a des clés, c'est dans PG Champ. Il faut qu'il n'y ait pas de clé. Hein. Voilà, après c'est terminé là.
Ouais, grosse confusion, tu m'étonnes qu'il l'ait pas fait. Non mais n'importe quoi. Ah oui, attends, et comment je drop en mettant mule? On attend autre chose que mule, tout simplement. Qu'est-ce que je veux faire? Je suis censé avoir réglé tous les problèmes ou pas? Il y a encore d'autres clés? Non, très bien. Donc normalement là ça va fonctionner. J'ai dit quoi? Je veux délaisser le champ. Non, il y a un truc qui ne plaît pas, mais il me dit pas ce que c'est. Ah, il a quand même pété. Je l'aurais pas pété là-bas. Ah oui, non. C'est pour ça que bientôt, il faudra plus que je passe par là. Mais c'est bien parce qu'il m'a mis false, il m'a mis la trace, il m'a mis les erreurs. C'est pas mal. Donc le drop simple fonctionne. Donc là, je teste le la constraint. Mon avis est pas content. There is no unique constraint. Test. J'aimerais voir la gueule de la trace SQL. Déjà pour voir si alter table. Est-ce que ça correspond à ce que je voulais écrire moi? Ça a l'air. Hein. Ah, mais faut qu'il soit notre nul, je pense. Attends. C'est pas suffisant. Il a créé ou pas? Il y a quelque chose qui lui plaît profondément pas, et là c'est pas mon code lui-même. At colon stranger ID. Je
Je sais pas si je peux faire ça en une passe, en fait. Pourquoi testeur? C'est pas testeur. Non, 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 petit problème là. Et la table, c'est celle de la clé étrangère. Qu'est-ce que... Oh putain, faut que je mette un devineur de table. Ouais, mais si c'est un... Ça dépend. Là, j'ai un petit souci. En même temps, toute la praticité que je voulais mettre en œuvre, elle est là, quoi. Attends, attends, chaque chose en son temps. On va d'abord faire au moins une solution qui fonctionne partiellement. Distable. Distables. Faire distables. Ça retourne quoi? On les a les tables ou pas? Non? C'est dommage qu'on n'ait pas directement les tables. Combien je prends? La requête horrible. J'ai l'impression que là-dedans il y a un truc. Je sens qu'il l'a fait, mec, je sais pas pourquoi. Non, c'est singulier.
Sinon, je peux faire un ester pose. Non, je vais pas me trouver là. Si je veux faire le cracra, je peux faire un. Je pense qu'avec ça, je suis pas mal. On tente ça et on voit si ça part en couille. Ouf, oula. Je sens que j'ai fait de la grosse toba. Ouais, je fais de la supra merde. Oui, ici, au moins. C'est bizarre parce que là, il pourrait au moins me dire. Il est pas sympa hein, sur ce coup-là. Alors, déjà, est-ce que au niveau des erreurs. Il n'a pas trouvé. Mon algo, c'est de la merde. Bon, après, je mettrai une sécurité, hein, bien évidemment. Mais. C'est pas FKTDT? La table? Il me semble, non? Non, c'est table. Si, c'est ça. Il n'y a pas 36 000 là, normalement. Dans ces fields ou extra? Ces fields, on est d'accord. Je peux faire ça même, de toute façon. Mais je crois que. Note égale. Déjà, note égale false, ok. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc foireux là dans mon.
truc foireux. Il le trouve pas quoi, il trouve pas avec cette méthode. Faut que je dump pour aller voir c'est quoi qui se passe là, mais ça se passe mal en tout cas. Je dois vraiment faire de la merde là parce que je vois pas que... T'as un petit souci là. Stranger. Stranger. Allô? Qu'est-ce qu'il raconte là? Putain. FK Tables. Non, c'est le contraire. On va aller le cogner. Du coup là on a ça et on doit avoir nul. C'est pas mal. Bon, je reviens, mais je pense que c'est bon.